Et ben bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Rios, comme l'a dit Jean-Pierre, enfin je crois, et je suis le CEO de Faster Eyes. Ah oui, il ne faut pas que je dépasse la ligne là. Je suis drogué à la perf depuis tout petit, j'avais un ZX81, pour ceux qui se rappellent ce que c'est qu'un ZX81. Et je vais essayer de faire une conf un peu tech. Je ne vais pas me prendre au sérieux. Il y a plein d'anglicismes, c'est vrai. Je m'excuse pour ça. Et puis, on va essayer de bien finir la journée, et puis, mais quand même d'apprendre un peu quelque chose. En tout cas, merci d'être resté jusque-là. C'est très sympa. Donc ça fait plus de 12 ans que je bosse dans la webperf et que je vois passer des sites. J'ai pas fait d'estimation, mais j'ai bien dû en voir plusieurs centaines. Et alors au début, je voulais illustrer ça avec une image de code HTML comme si passé au rayon X. Alors comme tout le monde, j'ai utilisé Midjourney, mais je dois être assez nul parce que le résultat que j'ai eu, c'était ce truc-là. Et en fait, c'est assez, ça fait peur, quoi. Donc je me suis arrêté là sur mon utilisation de Midjourney. Donc aujourd'hui, je vais passer en revue les pièges les plus courants que je vois en ce moment, les trucs un peu plus amusants, enfin amusants si on veut. Et qui sait, peut-être que vous aussi vous êtes tombé dedans sans le savoir, donc ça peut vous concerner. Alors je vais un peu me moquer, mais pas trop, gentiment. Il y a plein de gens qui font un super boulot, mais moi j'ai forcément un biais puisque en fait je bosse pour une solution qui s'adresse à des gens qui ont des problèmes de webperf. Donc toute la journée je fais que ça, d'auditer des sites, de diagnostiquer des sites et de regarder des waterfalls. Alors d'ailleurs, petit disclaimer, je suis désolé pour les clients FasterEye qui sont peut-être dans la salle, il y a des waterfalls qui peuvent les concerner par la suite, je m'en excuse dès à présent. L'agenda que j'avais imaginé au début, avant de procrastiner pendant un mois, c'était ce truc-là, et il faut bien avouer que quand même c'était un peu pourri. Et du coup, j'ai pas fait ça. Donc ça sera pas un top 10. Je savais pas trop par quoi commencer, alors j'ai pris le sujet qui me semblait le plus, comment dire, facile, ou ce qui nous concerne, le sujet qu'on voit partout en termes de webperf. Et ce sujet-là, c'est les images. C'est pas très original, mais moi je vais pas vous parler de format VIF, WebP, etc. Je vais plutôt vous parler de comment bien charger les images. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas si évident que ça. Alors le piège que je vois vraiment partout, c'est le lazy loading. Alors c'est bizarre de dire que le lazy loading c'est un piège, mais en fait il faut faire du lazy loading, il n'y a pas de débat, mais en fait il faut bien le faire. Et je crois que c'est Boris ce matin dans sa conférence qui en a parlé, qui disait que c'était compliqué de faire un bon lazy loading, parce que trop de lazy loading tue le lazy loading. Et en fait la règle d'or quand on fait du lazy loading, c'est que il ne faut pas lazy loader les images visibles au-dessus de la ligne de flottaison. Je le redis parce que c'est une règle d'or. Il ne faut pas lazy loader les images visibles au-dessus de la ligne de flottaison. Autrement dit, ne lazy loader que les images non visibles dans le viewport. Voilà. Quand je dis pas les loader, c'est vraiment les laisser se charger tranquillement avec un tag picture source img, voilà, ou encore de les préloader. Alors les trucs contre-productifs, ça part d'une bonne intention. Hein. On m'a dit de faire du lazy loading. Ok, moi je fais du lazy loading et du coup j'en fais partout. Sauf qu'en fait, quand on lazy load une image qui est visible au-dessus de la ligne de flottaison, en fait on va retarder son chargement. Et en fait, si on utilise une lib, le pré-scanner, pré-loader, le pré-whatever, il ne peut pas découvrir l'image parce qu'elle est embed dans un data SRC. Donc, il ne va pas la charger. Il ne va pas la charger assez rapidement. Et puis, l'affichage de l'image en elle-même, il dépend du chargement d'une librairie JS qui doit être chargée, puis exécutée. Et si on utilise le lazy load natif, c'est un poil mieux, mais en fait, l'image, elle sera dépriorisée parce que le navigateur, il va avoir un loading égal lazy, il va mettre un peu moins de priorité sur cette image. Donc, lazy loader une image dans le viewport, on ne veut pas.
ça va avoir deux impacts de lazy loader une image dans le viewport. Ça va avoir un impact sur le speed index. On va retarder l'affichage, le remplissage de cette image dans le viewport. Donc, je tiens encore, moi, à ce speed index. Et puis, si l'image est destinée à être le LCP, eh ben, forcément, ça va avoir un impact sur le LCP. Alors, ça veut dire quoi, pas de lazy loading? Ça veut dire juste pas de data SRC et puis pas d'attribut loading égale lazy pour l'image qu'on veut charger de façon normale, brute, comme vous voulez. Et pendant que j'y suis, moi, je suis partisan du lazy loading avec des librairies. Pourquoi? Parce que je trouve que le lazy loading natif, il n'est pas assez agressif. En fait, j'ai rencontré plein de cas où en fait les images étaient chargées bien après un certain nombre de viewports. Donc là, on voit par exemple un exemple. Attends, j'ai mon laser. On voit le viewport initial et puis après un viewport, deux viewports, trois viewports. Et on voit que l'image, elle est, même si je vais commencer à scroller, j'ai peut-être pas forcément besoin de charger cette image. Alors Chrome a changé ses valeurs il y a quelques mois, peut-être une année maintenant, mais je trouve encore que c'est pas assez agressif et on a plus de réglages quand on utilise des librairies. D'ailleurs, tout ça vaut plus généralement pour toutes les images. C'est-à-dire que, à moins que vous soyez absolument sûr de vous, lors du premier chargement, ne chargez surtout pas d'image visible au-dessus de la ligne de flottaison en JavaScript. Ça a l'air facile comme ça, mais on peut facilement tomber dans le piège. Il suffit qu'on mette un slider, avec une librairie de slider, et puis finalement, paf, on a une image qui va se charger avec du JS. Alors, un petit exemple de code dans la nature qu'on peut trouver. Donc, une home. Alors, on a voulu bien faire. On a mis des preloads pour le slider et mettre toutes ces images en preload. Et puis, on a dit au développeur, il faut que tu lazy load tes images. J'ai view, alors je vais mettre un attribut lazy égale false, et puis, enfin, il ne faut pas que tu lazy load tes images, pardon, et je vais mettre un attribut lazy égale false, et puis c'est réglé, j'ai pas lazy loadé mes images, sauf que bien évidemment, vous aurez compris que ce composant view, il faut bien initialiser le rendering de ce composant pour afficher l'image, donc ça ne sert absolument à rien. L'autre chose, c'est que tous les preloads qu'on a vus au début, le navigateur, lui, il se plaint aussi parce qu'on les a finalement chargés pour rien, parce qu'en plus, on avait fait le travail pour rien. Et donc, il vous l'indique, il vous le dit dans la console que toutes ces images, il n'a pas eu le temps de les réellement utiliser. Ah oui, autre chose sur les librairies, parce que je dis que j'aime bien les librairies lazy load, mais il y a des librairies de slider qui utilisent les fonctionnalités de lazy load et qui sont plutôt bien faites, mais ça dépend. Des fois, il y a notamment cette librairie connue qui s'appelle Slick, qui quand on lui met l'attribut onDemand, qui a priori devrait simuler du lazy load, eh bien, il y a une issue sur GitHub qui a été créée depuis 23 juin 2015. Hein, okay. Et en fait, en 2022, elle est toujours vivante. De juin 2022, elle n'est pas closée. Hein. Donc, si vous utilisez cette librairie Slick en croyant bien faire et en mettant en demande, il y a un bug, ça ne marche pas. Donc, vous ne faites pas de lazy load alors que vous croyez en faire. Après le lazy loading, je vais continuer sur une partie qui s'appelle le chemin critique. Et tout ce qui peut l'encombrer quand on travaille dans la WebPerf, c'est vraiment un sujet qui est hyper important. Le chemin critique, c'est tout ce que le navigateur va charger avant d'afficher quelque chose. En général, sur le chemin critique, on trouve des choses réputées bloquantes, comme le CSS ou le JS, ou le JS en tout cas chargé en synchrone. Donc la première chose à laquelle on pense quand on veut rendre non bloquant ces fameux JS, c'est comme vous avez bien appris votre cours de WebPerf, c'est que vous mettez l'attribut différent.
Vous êtes bien, bien éduqué, vous mettez la tribu diffère partout où vous pouvez le faire. Donc encore une fois, c'est comme pour le lazy loading. Évidemment que c'est une très bonne pratique et on pousse tout le monde à utiliser cet attribut diffère. Le problème, c'est que dans certaines situations, c'est un poil plus subtil que ça. Et en fait, les deux choses qui peuvent rendre le differ contre-productif, c'est l'ordre des fichiers déclarés dans le code HTML. C'est-à-dire que si j'ai mis mes attributs, mes scripts differ tout en haut de la page, on va voir que ça peut poser problème. Et puis, les tonnes de preload que je peux avoir aussi dans les frameworks JS. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre. Ça, on savait, Siri, que tu n'étais pas à l'aise avec la web perf. Ça a été répété. Hein. Alors, ce qu'on voit sur ce waterfall, j'espère que c'est une conf technique, donc j'espère que tout le monde est à l'aise avec la notion de waterfall. Donc, et j'espère que vous en avez vu d'autres dans la journée. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, surtout que j'ai pas beaucoup le temps. Donc, ce qu'on voit sur ce waterfall, c'est que même si le gros JS là qu'on voit de la requête numéro 3, il n'est pas bloquant. D'accord, il n'est pas bloquant, on le voit parce qu'il n'a pas sa petite croix rouge qui dit « Coucou, je vais bloquer le rendering ». Eh bien, il n'est pas bloquant au sens rendering, mais en fait, il encombre les tuyaux. Il encombre les tuyaux et parce qu'il a été demandé assez rapidement, le serveur, lui, va lui renvoyer rapidement et il empêche finalement le CSS d'être téléchargé. Et on le voit mieux, je ne l'ai pas mis, mais on le voit mieux aussi sur la vue connexion. La vue connexion qu'on peut avoir aussi avec WebPageTest, on voit bien l'imbrication de différents éléments qui vont se télécharger. Donc, même si un script diffère n'est a priori pas bloquant, il peut quand même bloquer le rendu de la page s'il est mal placé dans le code HTML parce que il va bloquer ce qui est réellement bloquant. Soit on le met trop tôt dans la page, soit on le préload, on va le préloader dans la page, et donc du coup, potentiellement, il peut bloquer le rendu de la page. Sur cet exemple, on voit il y a deux scripts en diffère qu'on voit là. Il y en a un qui est en synchrone classique, il y a deux scripts en diffère, mais en plus, donc a priori non bloquant, hein. Mais en plus il y a d'autres choses, il y a aussi les fontes qu'on a préloadées, et donc on voit aussi encore là cet effet des choses qui sont non bloquantes mais qui vont bloquer le téléchargement de choses bloquantes. Il faut savoir que les préloads, quand ils sont bien faits, et puis on a à cœur de bien faire, on leur met le bon attribut as ou le bon attribut type et ils prennent la priorité de ce à quoi ils vont s'appliquer. Donc, par exemple, les fontes, elles vont prendre une priorité élevée parce qu'on leur a demandé d'être préloadées. Donc, préload de fontes, bien fait, super, super priorité. J'ai beau avoir du CSS à envoyer a priori avant, tout le reste va arriver, enfin, les fontes et le JS va arriver avant ce CSS. Alors que, a priori, mes fontes, si je les ai préloadées, et vous ne le voyez pas ici parce que je n'ai pas mis le code HTML, mais elles sont déclarées en font display swap. Donc c'était justement pour les rendre non bloquantes. Justement pour les rendre non bloquantes, afficher du texte le plus rapidement possible, ne pas attendre qu'elles arrivent pour afficher ce texte. Et là, je fais un préload qui va les rendre finalement les rendre bloquantes. Pas cool. Donc en plus, oui, dernière chose, le LCP il est tout en bas là, donc non seulement on bloque le start render, mais en plus le LCP qui est carrément retardé. Quand on nettoie ce chemin critique, qu'on met un peu de préload, on retrouve un LCP digne de ce nom. Et encore un pour la route pour vous montrer que réellement j'en croise souvent de ces choses qui sont a priori non bloquantes. Donc on voit bien toutes ces croix oranges qui sont devant le CSS qui disent moi je suis du CSS bloquant. Mais par contre le navigateur, lui, il a bien téléchargé et reçu des octets du code JS non bloquant avant le CSS. S'il n'y avait pas ce JS là, le CSS arriverait plus tôt. Et puis
Vous avez déjà vu ces waterfalls de Next.js avec des préloads à rallonge qui empêchent tout le chargement de ce qui est nécessaire a priori pour faire le rendu de la page. Alors, maintenant, on va continuer un peu dans le même genre, dans les choses qui bloquent sur le chemin critique et qui peuvent avoir un fort impact sur le FCP. Et j'ai nommé le import CSS. Alors, ça peut vous paraître bizarre, c'est comme de parler du lazy loading en 2023, alors que ça fait 10 ans qu'on connaît cette technique. Eh bien, je suis désolé, mais je croise encore très souvent ce truc-là, ces import CSS, parce que bah, finalement, c'est pratique. On peut coller ça dans des balises style, un peu n'importe comment, un peu n'importe où. On peut mettre ça dans un fichier CSS, et hop, j'ai mes Google Fonts qu'on m'a demandé. Donc en fait, on peut, quand on fait ça, on peut faire appel à des CSS bien bloquants qui sont en plus sur des domaines qui sont externes. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. Ça peut donner un waterfall comme ça. Alors ce waterfall, en fait, c'est du code HTML. Ici, dans le code, j'ai un style, enfin j'ai ce code, j'ai plus ou moins ce code-là, un truc qui me dit import URL, donc ça c'est bloquant, ça en plus c'est externe. Hop, je vais télécharger quelque chose en plus, donc je retarde d'autant le rendu de la page. Et j'en ai un deuxième ici, qui est encore plus youx, parce que lui, il a été appelé par Global CSS, donc Global CSS, il contient le import Google Font, et il se trouve que la cerise sur le gâteau, on ne le voit pas, mais cette fonte, elle n'est pas utilisée sur le site. Donc, on a téléchargé tout ça, pour rien. Ah oui, et dans le cas de ce site, il y avait aussi... C'est étonnant de voir à chaque fois la volonté de bien faire qui est à côté de, bah, des pièges, des petits ou grands pièges. Donc là, dans ce site, on avait inliné, on avait fait du critical CSS, on avait voulu faire du critical CSS, donc on voit la minimap de VS Code, hein, où on voit tout le critical CSS qui est affiché, donc très bon, on a inliné du CSS. Donc bon, 400 kilos de... je ne suis pas sûr qu'on puisse dire critical CSS, hein, mais en tout cas 400 kilos de CSS inliné dans la page HTML, donc tentative de critical CSS, mais bien évidemment qui sert à rien parce que ben, on a ce global... Ah oui, dans ce cas-là, on avait les fichiers CSS sont quand même chargés avec une priorité à Yoast. Alors, vous voyez qu'il n'est pas marqué en bloquant, parce qu'en fait, il est en preload, mais il a une priorité. Si vous ne le voyez pas, je vous le montre. Il a une priorité à Yoast parce qu'il a été en preload as style sheet. Donc en fait, on a chargé ce fichier pour rien et en plus, on a rajouté 400 kilos de code CSS dans le code HTML pour au final être bloqué par un pauvre Google Font vide. Bon, je ne sais pas s'il est bien utile de rappeler que le format des fonts, c'est, je dis ça en passant, c'est pas OTF, hein, c'est WOF2 parce que OTF, c'est pas, ça n'est pas compressé. Ah, il faut que j'accélère en fait, c'est ça. C'est ça que tu me dis. 10 minutes. Ouais, tranquille. Un des problèmes que je vois souvent aussi, c'est les appels à des domaines externes sur le chemin critique. Alors, ça peut être des scripts de test AB, des solutions de CMP, de gestion de consentement, etc., des tag management systems, la plaie des third parties, hein, diraient certains développeurs, ou diront certains développeurs. Sauf que des fois, les third parties, eh ben, c'est eux-mêmes qui les utilisent. Parce qu'ils vont coller des CDN JS ou bien des polyfills par confort. Et par exemple, en utilisant des scripts hébergés là, sur ces CDN, on peut arriver à des choses comme ça. Donc en fait, on a vous l'avez tous vu, hein, ça, des third parties bloquants, chargés de façon bloquante, donc avec label Croix-Rouge, sur des domaines externes, donc qui nécessitent une connexion DNS, TCP, TLS, dans un environnement 4G, bah, ou 4G moyenne ou pas terrible, on peut facilement prendre dans la vue 600, 800 millisecondes. Le problème,
de ces domaines externes, donc ça prend du temps. Mais en fait, dans la majorité des cas, le polyfill, il renvoie rien. Parce que vous avez 95% de vos utilisateurs qui sont sur des navigateurs récents, et dans 95% des cas, le polyfill.js qui est retourné, zéro. Donc on a fait une requête pour rien, pour un contenu bloquant, encore une fois, où il n'y a rien dedans. Voilà. Donc on ne profite même pas du cache navigateur hein, quand on utilise des jQuery.min.js, parce que ça n'existe pas. Il faut savoir que depuis quelques années maintenant, hein, ça fait un moment, la clé de cache des ressources externes, est doublée avec le host de l'origine. Donc en fait, si un navigateur va sur un site A et télécharge jQuery depuis un CDNJS, il devra retélécharger ce même jQuery.js depuis un site B, même si elles ont exactement la même URL. Donc les CDNJS, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. À part ralentir votre site, et puis éventuellement fournir un peu de data à ces providers de widget.js. Allez, j'arrête sur le chemin critique et je vais un peu accélérer cette présentation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que... Ça, c'était vraiment pour moi les choses les plus importantes que je vois régulièrement sur les sites. Mais j'ai encore tout un inventaire à la Prévert que je vais vous faire juste après. J'ai pas réussi à tout mettre, mais on va voir deux trois trucs un peu rigolos. Enfin rigolos. Je sais pas. Donc là, on a un truc sur lequel je suis tombé une fois. C'est le source map. Donc les source maps qui permettent aux dev tools et navigateurs de facilement retrouver leurs petits dans du code minifié. Il y a des outils qui permettent d'inliner le source map. Dans le JS, on va se retrouver avec un énorme 1 méga de source map dans le fichier JS qui est téléchargé, alors qu'on n'en a absolument pas besoin. Ça vaut aussi pour le mode développement de view, etc. Voilà. Et en termes de... je ne vous dis pas en termes de waterfall ce que ça donne, puisque... on a un truc comme ça qu'on doit télécharger avant de faire quoi que ce soit, donc je ne vous dis pas l'impact en termes de perf. L'autre, donc on est toujours dans mon inventaire à la Prévert, celui que je vois aussi régulièrement passer, c'est le player YouTube. Le player YouTube, vous voyez, quand on voit la taille là, de ces scripts JS, le player YouTube, lui, il est énorme et il a un certain impact sur le TBT. Alors pas ici, parce que c'est vraisemblablement sur plutôt un iPhone qui a un peu de CPU, mais quand on est sur des Samsung, des vieux Samsung, le TBT, il est facilement au-dessus de 500 millisecondes. Arrête de me stresser avec ton 5 minutes, là. Et donc pour corriger ça, c'est simple, YouTube, un player YouTube, ça se met dans une iframe, donc lazy loader l'iframe déjà, juste ça, rajouter un attribut loading lazy ou bien dans la lib, gérer aussi le lazy loading de l'iframe, ça fait le job très, très facilement. Après, plus compliqué, on peut mettre en place une façade, donc un espèce de faux player qui va télécharger la librairie seulement quand on aura besoin, c'est-à-dire au moment où on va cliquer sur le petit bouton play. Ça, c'est beaucoup moins impactant que ce qu'on a vu, mais ça illustre juste, à mon sens, on m'a dit de mettre des preloads, alors je mets des preloads. Puis tiens, si je peux rajouter aussi des prefetch, là, ça mange pas de pain, je vais mettre aussi des prefetch. Allez, hop. Et en fait, clairement, ça, c'est... Ça laisse l'impression qu'on comprend pas ce qu'on fait, quoi. Parce que penser que le navigateur, 4 lignes après, il aura eu le temps de faire le pré-connect et le pré-fetch, alors qu'il y a le code qui est juste derrière, c'est pas possible. Le navigateur, il sait pas faire. Donc en fait, c'est pré-connect, pré-fetch, c'est très bien, mais pour les domaines externes qui vont arriver un peu plus tard, notamment qui peuvent avoir un impact sur le speed index, sur le remplissage au-dessus de la ligne de flottaison. J'en ai d'autres comme ça? Oui. Il est beau, lui. Preload, style sheet, ça sert à quoi? C'est juste pour dire que mes style sheets, elles ne sont pas bloquantes? Pas de sens. Et là, bon, c'est la même chose. Des preloads avec des,
des préloads suivis de, du vrai changeant. Ah, je suis désolé. un point aussi que j'ai vu, c'est la réhydratation totale dans le cas de sites statiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent avec les frameworks JS. On fait un site statique avec un framework JS, on fait du SSR, entre autres pour le SEO, et puis après, on fait de la réhydratation de tout ce qu'on vient d'afficher. Dans ce cas-là, par exemple, ce site-là, il est hyper rapide à s'afficher. Ça va super vite, le premier affichage. Le problème, c'est qu'après, on réhydrate tout. Donc, on explose le TBT, parce que la réhydratation prend un certain temps. Et en plus, on a un impact sur le LCP, parce que cette image-là, elle est chargée deux fois. Techniquement, elle est chargée deux fois. Elle n'est pas réellement téléchargée deux fois, mais elle est téléchargée une première fois. Puis après, il y a la réhydratation qui dit « Ah, tiens, modifie-moi l'attribut SRC avec cette super image statique qui arrive de la réhydratation. » Et donc, le LCP va arriver après la réhydratation de cette image. Donc, on a un LCP complètement dégueulasse, alors que le site est hyper rapide à se charger. J'ai presque fini. Plus généralement, on a des images faussement, enfin non, on a aussi des images faussement responsives. Plus généralement, ça concerne les sites faussement responsives où on charge tout le code en double et puis on masque ce qu'on a besoin. Donc c'est les images qui sont chargées en double. Et je rappelle, je suis pas sûr que tout le monde le sache, que les images qui sont dans un container avec un display none, elles sont quand même téléchargées. Ça marche, les images, elles ont un style display none, pas si leur container a un style display none. Donc, je l'ai vu régulièrement. Les images qui n'ont pas la bonne résolution, donc je charge une 3000 pour un 300 avec 2 DPI, ça n'a pas beaucoup de sens. La même image en desktop qu'en mobile, ça c'est mignon. Il y en a qui prennent pas la peine de renommer l'image, donc ils mettent desktop avec Media Queries desktop et desktop avec Media Queries mobile, tranquille. Et puis il y en a qui prennent quand même le coup, ils se disent allez, on va changer l'image, c'est la même image, mais ils l'appellent desktop et mobile. C'est pas mal. On en croise quand même pas mal les trucs. Hein. Et puis, on n'a pas la bonne media query. Donc, il y en a qui confondent dans les media queries le min-width et le max-width. Donc, forcément, ça n'a pas le même effet. Allez, pour les plus vieux, vous avez peut-être connu cette technique. Pardon ? C'est bon ? Vous avez peut-être connu cette technique des sprites, qui est un peu l'équivalent de la concaténation ou du bundling de fichiers pour les images. Donc le problème de cette technique, c'est la maintenabilité, parce qu'il faut faire évoluer le sprite dans le temps, on ne sait plus qui utilise quoi, alors on crée un second sprite, sprite 2, qui devient ensuite sprite 2 underscore new, puis après sprite 2 underscore new 2, enfin bref, je pense qu'on l'a tous vécu. Et en fait, c'est la même chose en 2023. On n'utilise plus des PNG parce que quand même on fait des choses modernes, mais c'est la même chose, c'est en SVG. Et oui, forcément, on fait des sprites en SVG, mais c'est exactement le même problème. Donc, résultat, on se retrouve à charger 3 énormes sprites pour afficher au final 2 petites icônes SVG sur toute la page, parce qu'on est en mobile, alors il n'y a que le cart et le search qui vont être affichés. Et la solution, c'est simple, hein. On a du HTTP2 pour ça, donc faites plus de sprites. Et j'ai gardé, je ne sais pas si c'est le meilleur pour la fin, mais celui-là, je l'aime bien. C'est un GIF animé de 89 mégaoctets. Et il fait ça, ce GIF. Alors bien sûr, j'ai transformé en MP4 pour le. Voilà, mais il faisait ça. Et voilà, et il tournait en boucle. Alors quand j'ai vu mon webpage test sortir 92 mégaoctets, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a dans cette page ? Ben, il y avait ce GIF animé. Alors j'espère qu'il m'en voudra pas, parce qu'à l'époque il n'était pas client, maintenant il est client. Et en plus, malgré son nom, il est encore vivant, il est encore là, j'ai mis le lien. Malgré son nom, il s'appelle Desktop, mais je crois bien que je l'avais vu sur une page en mobile. Donc 89 mégas en mobile, ça fait mal. Et puis oui, pour l'info, c'est un méga 8 en AV1, mais déjà c'est déjà trop énorme pour moi. Allez, il est temps de s'arrêter là sur mon inventaire à l'après-vert.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation ? La WebAir, c'est compliqué. Bien sûr, c'est des choses techniques et qu'on peut les apprendre, etc. Mais ça reste quand même plein de choses crap. Voilà, donc il faut faire attention. Il y a plein de petits pièges quand on apprend, quand on met en œuvre. Et du coup, il ne faut pas appliquer bêtement ce que vous entendez ou ce que vous lisez. Ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut faire du preload, ce n'est pas parce qu'on dit Next.js, c'est le framework le plus rapide de la Terre. En fait, la seule chose que vous devez faire, c'est de tester par vous-même. Et puis j'ajouterai aussi d'automatiser le plus possible pour être sûr que vous n'avez pas de trou dans la raquette. Alors je sais, c'est une conclusion très bateau, mais on est en 2023 et je pense qu'il y avait encore besoin de redire ces choses-là encore en 2023. Je vous remercie. Au secours. Est-ce que ça vaut le coup de poser des questions du coup ? T'as déjà des fans ? Est-ce qu'il y a des questions du coup pour Stéphane ? Claire, t'as une question ? Il n'y a pas de question. Pourquoi t'es aussi technique, Stéphane ? Arrête. Des questions ? Je peux te déconnecter ici ou quoi ? Oui. Ça conclut magnifiquement cette journée. J'attends des questions. Il n'y a pas de questions. Bon. Si tu veux que je te pose des questions, je peux t'en poser. Comment tu vois l'avenir de la WebPerf, sachant que... Ah oui, mais excuse-moi, moi j'ai pas préparé mes questions. Comment tu vois l'avenir de la WebPerf? Est-ce que tu le vois plus côté apprentissage infini de toutes les futures techniques? Alors évidemment, tu as intérêt à répondre d'une certaine manière. C'est un peu le... Pour de vrai, est-ce que tu penses qu'on va vers des sites qui iront mieux d'eux-mêmes? Parce que moi, il y a 10 ans... Le passé ne m'a pas incité à répondre positivement à cette question. L'avènement des frameworks JS, que je déteste, soyons clairs. Je trouve qu'on a été en arrière pour résoudre un problème qu'on aurait pu résoudre autrement. Et je crois que dans le milieu de la WebAir, je crois qu'il y a pas mal de gens qui partagent cette opinion. Donc, j'ai pas l'impression. Et ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier. Ça fait plus de 12 ans que je fais ce métier. Et au début où je faisais ce métier, en me disant mais de toute façon, FastRS, ça sert à rien. Les navigateurs, ils vont tout implémenter, puis ils vont tout faire bien, puis les développeurs vont tout faire bien, donc ça sert à rien. Mais je suis désolé de vous dire qu'on est encore là aujourd'hui, au bout de 10 ans, parce qu'en fait, la WebPerf, c'est pas juste appliquer des règles techniques comme on l'a vu, c'est l'appliquer de façon correcte, tout le temps, partout, sur tous les types de navigateurs, pour tous les utilisateurs, et en plus, avoir traité un problème un challenge d'organisation qu'on trouve énormément dans toutes les entreprises. Donc c'est de la technique et c'est de l'organisation, la WebPerf, et ça, je ne suis pas complètement certain que ce soit clair devant vous. Magnifique. Merci.